l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci parce qu'on avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous va visiter travail réhabilitation qu'a fait dans lycée Stenio Vincent ici dans Haïti. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça toujours qui ton commentaire pour nous positif ou bien négatif. Ici dans Bombard Police, équipe TV Caraïbes nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et bien nous pas perdre temps n'a déroulé avec information yo. En noue. Yon délégation qui gagne en tête li directeur général BM Padla ak ambassadeur Japon dans pays d'Haïti visiter état avancement travail réhabilitation qu'a fait dans lycée Stenio Vincent dans commune Sekalasous. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps n'a commencé couler. Sekalasous est une ville qui gagne environ 60 000 habitants. Il y a un lycée de Stenio Vincent qui le Japon, dont l'ambassadeur est ici avec nous, est financé dans le cadre de fonds KRO à hauteur de 79 599 99,75. C'est financement ça qui était sorti dans le fonds KR que le Japon mettait gracieusement à la disposition du peuple haïtien dans le cadre de produits alimentaires, dont de riz, que le Japon fait à Haïti. Maintenant, nous sommes en phase de côté lycéen qui a commencé les travaux, qui a démarré en avril 2015. Réception provisoire a été faite en 2017, en 2018. Nous avons gagné réception définitive là. Cependant, le lycée n'a pas été inauguré, mais il a fonctionné normalement avec environ 5500 élèves la dernière. Pour le moment, il y a eu des travaux additionnels qui consistaient en clôture de bâtiments que Japon engagé par voie ambassadeur qu'il a. Japon engagé pour le mettre comme ça encore à disposition peuple haïtien, gouvernement haïtien, à travers les fonds KR que le BMPAD a dirigé pour nous voir dans quelle mesure rapidement nous capables de procéder à travaux de construction, d'érection, de clôture lycéale. Une fois que le lycée a fini de clôturer, rapidement, on a procédé à l'inauguration. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications va se charger de ce problème, va résoudre ce problème rapidement parce que, une fois que nous remarquons le problème, là, nous allons porter le plus haut niveau du gouvernement pour permettre que le Premier ministre est touché de ça et lui passer instruction à son ministre des Travaux publics pour pouvoir rapidement et résoudre la question. Le projet de construction de lycée ici est circa à la source. Donc je voudrais apprécier la collaboration et les efforts de BMPAD, surtout M. le directeur général, M. Sancler. Donc c'est un résultat très positif de la collaboration de l'ambassade du Japon et le BMPAD. Donc j'aimerais voir l'impact positif pour la vie haïtienne, donc le seront par ce projet. Donc je suis très heureux d'entendre à peu près 550 élèves bénéficiaires sont au lycée et pour apprendre, pour étudier. Oui. Donc les enfants, les élèves, ils sont le futur d'Haïti et des Haïtiens. Donc nous voulons saluer encore une fois les efforts de la BMPAD. Bon, merci beaucoup. Et puis, je voudrais s'endérer et voir, assister à la cérémonie de l'inauguration. Donc, on va tout de suite procéder aux achats supplémentaires pour la clôture, voyez, pour sécuriser ce bâtiment. C'est qu'à la source, c'est pour vous. Vous posez pion dans ce cas-là, sous j'ai proposé un pile pion dans ce cas-là, sous ou bel lycée qui baille, peuple ce cas-là, sous là, nous disons merci pour ça. Nous disons merci, directeur BM Padla, pour le fait
courage li staff là en général qui vient ces calasous pour porter belle frise ça pour ces calasous que nous t'attendons depuis longtemps parce que nous t'a passé en pile misère derrière la non en gars aujourd'hui nous gain belle lycée ça nous dit merci staff là et n'a demandé mon Dieu courage pour aider nous pour nous avancer avec ces calasous non seulement ces calasous mais le pays en général. Je dis c'est une grande satisfaction pour nous mêmes dans la commune de délégation ça et c'est pas accueil délégation que satisfaction non? Mais c'est résultat ça que nous avons la construction ça là. Donc nous pensons que c'est l'occasion tout pour nous capable saisir l'occasion ça pour nous encore une fois remercier bien monsieur l'ambassadeur son excellence et pour nous remercier également toute l'équipe BMPAD à travers directeur lui et également nous pas capable battre un gros bravo pour directeur lui c'est ça tout parce que nous connaissons que monsieur ça qui fait l'empile pour permettre que aujourd'hui nous gagne aime ça que nous gagne. Donc nous souhaitons que nous maintenir et bien bâtiment ça. Et on a profité de l'occasion, ça, pour nous dire bien pas avec l'ambassadeur de Japon, comme il a déjà mentionné ça déjà, ou comment on est capable de former les vœux pour nous, pour permettre que construction de ça, et bien, construction clôture là, tu es capable d'arriver faite, pour permettre que Timoun lui-même, les pas prendre là, il y a un côté où il y a une discipline, parce que l'école là, c'est discipline plus travail. Donc si le travail pas une discipline, et bien c'est la même si à terre. Donc si clôture la fête, et bien il y a une discipline dans le lycée. Et nous croyons que le directeur BMPAD a déjà mentionné ça déjà, moi-même tout, de conseil avec le ministère de la République, nous parlons de qui est fort qu'il est capable de faire pour permettre que le lycée ça, capable de faire de l'eau qui est alimentée pour permettre que si mon yo a besoin, capable d'arriver à faire, et besoin d'eau, besoin de potable, besoin physiologique, il est capable d'arriver à faire. Donc nous croyons que c'est une grande satisfaction pour nous. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable jouer nous. Son babi zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.